Qui souhaiterait le retour des One Direction, maintenant qu'on a Harry Styles? Je vous écoute. Un commentaire à faire sur ce que je viens de dire? Ouais, enfin non. Décidez-vous. J'en sais rien. Est-ce que vous avez un problème avec ce que je viens de dire? Non, mais je pense quand même qu'on peut trouver d'excellents artistes dans certains groupes, c'est tout. Bien sûr. Mais par exemple, est-ce que vous croyez que Michael Jackson serait devenu Michael Jackson s'il n'avait pas quitté les Jackson 5? Bien sûr que non, mais ça c'est un cas particulier. Il y a d'autres exemples, comme les Beatles, Queen, Pink Floyd... T'es né quand, toi, déjà? Allez. Là où je voulais en venir, c'est que ce semestre, nous n'organiserons pas la battle des groupes. Je vous propose mieux que ça. À la fin de l'année, je choisirai l'un d'entre vous, je produirai son premier EP et je le mènerai tout droit vers le succès. Grâce à mon tout nouveau label, GB Records. La présentation et le lancement commercial de mon nouvel artiste se fera sur la scène des Trends Awards à la fin de l'année scolaire. Alors, décidez-vous. Est-ce que vous voulez continuer à jouer les Destiny's Child ou est-ce que vous préférez devenir Beyoncé? Par exemple.